Bonjour, je suis Alex le chasseur et j'ai toujours pas trouvé le bon accent pour faire les présentations de Alex le chasseur. Donc nous sommes encore une fois sur Far Cry 4 et nous allons tuer. Aller tuer un glouton. D'accord. Pour Monsieur Chiffon, c'est n'importe quoi. Êtes-vous vraiment sûr? Vous avez vu, maintenez e pou. Maintenez e pou. Un dernier mot, j'ai dit. Là, je peux pas accepter, d'accord. Oui, je suis sûr. Il est en train de me troller. Êtes-vous vraiment sûr? C'est quoi ce délire? Oui. Vous êtes fou. Oui. Un dernier mot. Incroyable, sensationnel. C'est une blague. On dirait un sac fabriqué avec un rappel. Un rappel rare, le plus féroce. Oui, je sais, on connaît tous les rumeurs. Ils sont méchants, ils n'ont peur de rien. Je pourrais continuer, mais non. Tellement plouc, tellement ringard. D'accord. Allez là-bas et tuez ce rappel. Ok, Monsieur Chiffon, nous allons tuer le rattel. En fait, c'était un gros troll, je crois. C'est juste moi qui reculais, je devais réappuyer sur eux. Ils me demandaient, êtes-vous sûr? Vous êtes fou? Non, mais êtes-vous vraiment certain? On se serait cru sur, sur Windows Vista. Ou c'était n'importe quoi. Êtes-vous sûr de vouloir lancer ce logiciel? Oui, non, vous êtes vraiment sûr de vouloir lancer lecteur Windows Media? Oui, je suis sûr. Non, mais ce logiciel n'est peut-être pas sûr. Oui, mais c'est Windows qui l'a installé par défaut. Enfin bref, voilà. On commence fort. J'ai été traumatisé comme beaucoup de gens par Vista. Enfin bref, ouais, je sais toujours pas quel accent adopter. Alors qu'à l'époque, je crois que j'en avais peut-être trouvé un qui était adéquat sur les The Hunter. Et non, je veux pas laisser cette arme. Bon, tant pis. Je sens. Ah, la mitrailleuse légère. C'est vrai que c'est une mitrailleuse, elle est vraiment très très légère. Ouais, je sens que ça va donner. Il a laissé des morts sur son passage. Et ouais, on se retrouve pour un nouvel Alex le chasseur. Après un rhino. Oh punaise, qui ne blaguait pas. Animal rare, ok. Punaise, il a tout bouffé sur sa route. Ah, on a un appât. Vas-y. C'est lui le glouton. On va vérifier. C'est pas lui qui a tué le rhino quand même. Ah, non, si, c'est lui. Parce que ça, je vous en avais parlé durant le test, que c'était un truc de... C'est lui. C'est pas une blague. C'est l'animal féroce, l'animal le plus instable de toute cette région. Je vais pas aller sur les roches parce que ça serait comme tricher. Et nous sommes des chasseurs, nous sommes pas des tricheurs. Et ça y est, nous l'avons tué. Non mais c'était vraiment lui. Je vous l'avais dit lors du test, ou lors d'une autre vidéo, je sais plus, c'est que ces animaux ont une peau extrêmement résistante et qui font vraiment des dégâts. Et comme quoi la preuve, c'est que 4 réussit. Bon bah merci, il est où là pas? Ah, qu'est-ce que tu me donnes toi? Prends de l'argent. Ouais, je vais pas m'en servir mais merci bien. Ouais, c'est lui qui a tué tout le monde quoi, c'était l'enragé, le psychopathe, il a tué un tigre, un rhino. Je pense qu'ils sont amusés à faire la mise en scène quand même. Et ouais, ils sont même avec un fusil à pompe, le nombre de balles qu'il faut leur mettre. Au début, la première fois, il y a un serpent. Il y a des serpents. Et j'ai... Moi, j'ai un cocktail, les serpents. Bah, la première fois, je me disais, c'est quoi ce raton laveur tout pourri? Et je peux vous dire que 2 secondes après, je faisais plus le malin. Pas bouger. Gentil, les serpents. Ouais, je t'entendais. Fallait pas faire de bruit, t'aurais pu m'attaquer discrètement. Merci. Et là, vous avez vu, j'ai l'arc par défaut, pour ceux qui se posent la question. Et un autre défaut... que j'ai oublié de mentionner dans le test, mais c'est un défaut, vraiment on s'en fout, mais regardez, je rentre, donc là il y a des fresques, et regardez bien, est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? Bon, ça semble être en relief, mais cette dame, elle est là, non ça c'est pas elle, non, ça c'est la même que celle qui est là,
que celle qui est là, que celle qui est là-bas, le même, pareil, le même monsieur, enfin là, ici et ici. En fait, ouais, c'est juste, il doit y en avoir 3 ou 4, ou alors plutôt 3, je dirais, et toutes les cavernes dans lesquelles vous allez rentrer, c'est exactement les mêmes. Donc c'est... En même temps, je sais pas, ceux qu'on, les habitants, ça se trouve, ils vénéraient juste ces 3 personnes qu'on voit régulièrement, ce qui est une explication plausible, ou possible, plausible. Donc là, je ne chercherai pas la petite bête. Dans le cas contraire, ils sont pas embêtés, voilà. Et bon, ça y est, on l'a tué. Donc, vous inquiétez pas, contrairement à la dernière fois, j'ai prévu le coup. On va y aller à pied parce que déjà que les vidéos, c'est du rapide. Donc on va utiliser le véhicule si l'autre ne raconte pas, ne vous spoile pas encore une fois. Ouais, cette fois-ci j'ai fait les attaques d'avant-poste, histoire de les avoir déjà de débloquer. Et qu'on perde pas de temps comme l'autre jour à essayer de les chercher. Bon, j'en ai débloqué 4. Et je crois qu'une personne dans les commentaires avait dit qu'il y en avait 9 en tout. Donc ce que je pensais faire, c'est que dans l'autre vidéo, on en a fait 3. Aujourd'hui, on va en refaire 3. Et la prochaine fois... Ah, le barrage en... Ah non, c'est pas un barrage. La prochaine fois, on en refera 3. Voilà. Et la boucle sera bouclée. Attendez, je suis en train de me faire attaquer, là. Et c'est là où on appuie sur majuscule, que c'est intéressant. Comme ça, hop. Rejoindre le marqueur, et moi, à tout moment, je peux tirer... Ça, c'était pour illustrer ce que je disais, qu'on peut tirer avec la conduite auto. Sauf si vous allez trop vite, il part un peu n'importe où. Mais là, c'est pas le sujet du jour. Et ouais, ça c'était marrant, la chasse qu'on vient de faire avec le... Yolo ! Avec le... L'animal légendaire. D'ailleurs, en bas à droite, vous le voyez, je peux confectionner quelque chose qui est nouveau. Voilà, sac d'appât, je vais pouvoir en transporter maintenant jusqu'à 6. De glouton, ouais, c'était marrant. Encore, ça aurait pu être sympa s'il y en avait eu 2 ou 3. Arrête la voiture. S'il y en avait eu 2 ou 3, ça aurait peut-être été plus sympa. Ça aurait rajouté un côté plus épique et ça aurait expliqué le pourquoi du... Attends, pour rejoindre le marqueur, je vais l'enlever, comme ça je vais aller plus vite. Ça aurait rajouté plus de réalisme au côté tigre mort, rhino mort. Et autres animaux en tout genre. Et moi, est-ce que je peux... Bon, je peux aller par là, on va continuer à pied. Et après, il y aura d'autres Alex chasseurs très prochainement. Sur... Bah déjà, faut que je continue les The Hunter, puisque j'avais commencé à en faire une cet été. Et j'ai pas... Ouais, pardon. Bah, je disais... je disais, on avait commencé à refaire les The Hunter... Et j'avais pas continué, et par manque. Enfin bref, je suis pas là pour expliquer le pourquoi du comment. Mais je vais reprendre ça. Et il y a un autre The Hunter assez spécial qui est arrivé très récemment. Récupéré. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir pensé à moi, donc c'était super. Tigre céleste, oh punaise! Là, ça rigole pas. Monsieur Chiffon, j'ai votre dernier modèle. Mais je le trouve où, ce tigre rare? Vous n'êtes pas loin de sa tanière. Mais je vous demande d'être extrêmement prudent. C'est peut-être la seule créature de pirate plus féroce que vous. Il terrifie l'armée royale. Un mangeur d'hommes légendaire. Il a fait 11 victimes l'an dernier. Mais sa peau, Edgy, vous allez craquer en voyant ce superbe manteau blanc en tigre. Oh, j'ai déjà affronté les tigres. Oui, je sais. Mais j'en fous. Je n'ai plus de mannequin. Et sans mannequin, la Fashion Week du pirate sera un bide total. Pas le glorieux comeback que la maison Chiffon mérite tant. On m'a dit que mes modèles étaient à mourir. Ne leur prouvez pas que c'est vrai. Restez prudents dans notre intérêt commun. Alors comme ça, il a dit qu'il était plus féroce que moi. On va voir ça, mon copain. Et il a fait seulement 11 victimes. L'année dernière, sais-tu seulement combien j'en ai fait? Juste avec mon pouce. Ah, tu sais pas quoi dire. Ouais, je disais... The Hunter... Eh oui, que ça m'a fait plaisir, puisque vous avez énormément pensé à moi, puisque vous êtes très nombreux à m'avoir prévenu.
de cette chose qui vient d'arriver et que je vous ferai prochainement en vidéo. On peut m'expliquer pourquoi c'est tout rouge ici? Ça me rassure pas trop là. Ok, le courrier, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous spoiler puisqu'il faut l'ouvrir pour le lire. Et ouais, je suis pas super assuré de des ossements. Prendre l'argent. Prendre l'argent, il y en a un autre là-bas. Et c'est quoi l'arme alors? D'accord. Ok. Maintenir pour lire. Ah ouais, attendez, ça je vais peut-être l'enlever rapidement. Parce qu'on sait jamais s'il y a des choses. Autant vous laisser le suspense. Nous, nous sommes là juste pour le chasser. Pas pour vous spoiler le jeu. Alors, vers où regarde-t-il? Peut-être serait-ce un indice? Non. Il aurait pu me laisser un indice un peu plus intéressant. Coucou! C'est toi aujourd'hui qui va servir d'appât? Vas-y! C'est un tigre! Yeah, vas-y, bats-toi! T'es nul! Yo! Il en faudra plus que ça pour me tuer! Yes, oui! Imbattable! Bon, je vais arrêter. Et de 1. Donc ça, c'est les tigres classiques. Nous, nous cherchons l'élite. Nous cherchons... Ah, ça fait bien endroit de tigre avec les différentes hauteurs. Ah, on cherche le légendaire, nous. Allez. Yop. Tu veux m'attraper? Yop. Je joue avec toi. Tiens, attrape ce caillou. Yop. Mange ce caillou. Aïe. J'ai rien dit. Aïe. Tiens. Je sais pas s'il va me le renvoyer. Bon, au cas où, on va arrêter de faire le malin. On va se soigner. Animal rare dépecé. Ouais, non, mais c'est pas un animal rare. D'accord, il y a un quad rare. Est-ce que je peux prendre de la hauteur pour juste... Ah. Je sais pas pourquoi. Hop. J'enlève. Comme ça, en fait, je l'ouvre. Parce que je sais pas si je reviendrai forcément ici. Et... Ah oui. Et comme ça, au montage, je pourrais mettre pause et le... lire de mon côté. Ouah ! J'allais dire, je vais descendre parce que c'est un peu de la triche. Je suis en hauteur par rapport à lui. Et je crois que lui... En plus, il se dissimule. Regardez ça ! Oh, il est beau ! Il est beau et il fait mal. Ah ! Oh ! Dégage ! Et là, fuyons. Sauf qu'il peut. je suis pas chasseur, c'est lui. Heureusement j'ai des seringues parce que... Ah ça y est, je le vois à travers. Et vous voulez que je vous montre un tour? Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ah bah je peux pas le faire. Eh oh. Là je tire pas vraiment dessus parce que je trouve que c'est pas... à la loyale. En fait je voulais faire à la Benéil. C'est plus intelligent que ce que je pensais. Allez. Vous le sentez? Ah, je pensais qu'il était mort. On sent ça. Sa puissance. Ah mince, il lui restait qu'une balle. Ah c'est dommage, en fait l'environnement, enfin heureusement pour moi, mais ça le faisait un peu bugger. Tout le relief comme ça, il avait du mal à se déplacer le pauvre. Je pense que si ça avait été vraiment une plaine, autant vous dire que j'aurais bien morflé. Ah, coucou. Ok. Je suis plein. Et là, maintenant, on va devoir voyager parce que les autres endroits, ils sont pour le dernier élément de chasse. Allô, je vous le laisse. Le dernier élément, je l'ai débloqué. Enfin, les deux en haut, ici et ici. Donc là, ça,
devraient être des animaux. En fait, dans confection, je peux vous spoiler les derniers animaux à faire, puisque les seules choses qui me restent à débloquer, c'est les animaux rares pour améliorer mon perso. Et donc, en fait, on pourrait très bien savoir lesquels sont à tuer, mais je préfère éviter et se garder le suspense à son comble. Et vu que nous sommes dans la partie nord du jeu, où la difficulté, logiquement, est plus corsée, on devrait avoir des animaux, je l'espère. Poussez-vous les bûches plus épiques. Alors, nous ne sommes chasser le léopard des ombres. Ça me plaît. Monsieur Chiffon, j'ai votre dernier modèle. Mais motif léopard. Ne soyez pas vulgaire. Nous ne sommes pas dans les vrais housewives de Danites. Je suis un artiste. Qui a créé le look de l'armée royale, d'après vous? Vous croyez que les superbes costumes de Pagan lui tombent du ciel? Il doit son image à mon talent pour équilibrer la silhouette avec une tenue bien ajustée. Et mon seul remerciement? Un arrêt de mort. Parce qu'il ne supportait pas l'idée que ses vêtements ne soient pas uniques. Alors vous pouvez me croire quand je vous dis que la mode ne se fait pas toute seule et que la peau de léopard est parfaite pour ce vêtement. Surtout s'il est cousu à la main. Ok, ok. Désolé. Je vous fais confiance. Merci, AJ. Vous savez, Mine m'a libéré en un sens. Tailleur royal. Que pourrait-on rêver de mieux? Mais j'étais enchaîné. Aujourd'hui, je peux créer ce que je veux, pour qui je veux. Et je suis ravi que ce soit vous. Allez, partez en chasse. Ouais. Soyez féroces. Soyez féroces, je suis presque mort. Mais c'est une blague. T'es sûr que c'est pas lui l'animal féroce? Attendez. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, en quelques instants. Mais comment ça se fait que j'avais plus de vie, moi? Enfin, bref. Nous avons la même arme que tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça ne devrait plus blaguer. Ouais. Excusez-moi, je suis mort, je suis tombé parce que j'ai enlevé mon pull, j'avais trop chaud, je suis tombé. J'ai l'impression que mon FOV est encore diminué. Il diminue à chaque fois que je joue. Ouais, je suis tombé, j'avais chaud. Ça m'apprendra. Comment j'ai fait pour... ouais, enfin bref, je sais pas comment j'ai fait pour mourir. Il y a toujours des gens qui sont morts de façon étrange. Ou alors il faisait sa gym. Je vais faire mes étirements matinaux. Alors, il est dans l'ombre. Ah d'accord, je suppose qu'il est là-dedans. Est-ce que... Petit. Ouais. Est-ce que c'est toi? C'est pas toi! Non, c'est pas toi. Ok. Waouh! Oh, regardez-le! Hey, il est joli. Il semble un peu bête, mais... ouais, je crois qu'il est un peu bête. Est-ce que je peux le tuer au couteau de lancer? Faut pas sous-estimer les animaux qu'on... les... oh, punaise. Ouais. Ok, vous préférez que j'utilise... un fusil d'assaut qui est bien bourrin plutôt qu'un couteau de lancer qui est quand même beaucoup plus méritant, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que mon point de vue, mais... le tuer au couteau de lancer, je pense que c'est plus difficile. Enfin bref, on n'est pas là pour dire ça. En tout cas, comme ça, on aura la possibilité de le revoir une deuxième fois. Ouais, c'est pas mal, les gars. Comment je pourrais dire ça? Lui, on voit que c'est une sorte de fourrure, mais l'autre, on n'avait pas l'impression. On aurait plus dit une sorte de peau. Alors, où est-ce que tu es? Comment il a fait pour venir tout à l'heure? Il a été attiré par la nourriture. Petit.
Je regardais mon clavier, je cherchais la touche. L'enfoiré. Oh, je vais mourir. Chercher la touche en fait du caillou. Je voulais lui lancer un caillou pour le troller, mais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh, punaise. Laisse-moi tranquille. Ah, là, je suis en train de me faire vraiment bouffer. Attendez, je vais pas. Je vais pas mourir comme ça. Non. Non, il me mange. Il me bouffe les fesses pendant que je saute. Oh non, c'est n'importe quoi. Baby, bili, 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 bili. Eh non, mais il est vraiment plus balèze que ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais que t'étais bête. Je suis désolé, t'es pas si bête que ça. T'es pas si bête. T'es balèze même. Oh punaise. Je cherchais juste la touche pour le troller en lui lançant un caillou. Mais je crois qu'il l'a vraiment mal pris. Hein. Coucou. En fait. Quand on est à côté de cet arbre là, j'ai l'impression qu'il bug un peu, on va l'affronter à la loyale. En bas, là tu bug pas ici, j'ai l'impression ici t'es beaucoup plus féroce. Ouais, même quand je tente d'esquiver, regardez ça, je tente d'esquiver au maximum. Oh. Regardez ma vie en bas à gauche, j'ai plus rien. N'importe quoi. Ouais, c'était épique. Ouais, j'avais. Ah si, c'est quand même une fourrure. Oh, t'es balèze quand même. Ah, j'ai l'impression que même si je sautais pour l'esquiver, il en avait rien à faire quoi. Je te mange quand même, mec. Et quand on était en haut, l'arbre magique voulait pas. Étrange. Bon, en fait, c'est vrai que je pourrais utiliser des bugs ou monter, descendre et tout, mais bon, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de la faire à la loyale et que ça soit le plus difficile possible. Enfin, c'est comme ça que je trouve que c'est le plus marrant. Après, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir confectionner? Nous avons la possibilité de faire celui-ci. Et vous voyez, je fais exprès de passer la souris à côté des autres pour se garder le suspense à son comble des prochains Alex le chasseur. Pas mal, ce petit panorama. Allez, je sais que ça vous démange. On va se faire ça. Et là, c'est plutôt court. Je sais pas du tout ça fait combien de temps qu'on a commencé. Mais quand on reprendra The Hunter, ça sera des vidéos plus longues. Parce que là, les animaux, je sais où il faut les chasser. L'endroit, donc c'est plutôt rapide. Alors que The Hunter, c'est vraiment la surprise quand on avance. Et s'il y a des animaux, tant mieux. Si on n'a pas, tant pis. Il faut s'armer de patience et y aller doucement. Donc ça sera des vidéos plus longues. Et là, c'est Alex le chasseur, c'est différent. Voilà. Il y en aura pour tout le monde comme ça. Allez, on va se faire. Ah non, ah, on va essayer de se faire l'aigle. Oh non, ça bouge trop. Pam palam pam. Pam palam. Oh oh. Oh, mais je me suis coupé de touche. Tant pis. Ok. Ils sont en train d'attaquer le camp. Bon bah nous on va s'arrêter là pour cet épisode de Alex le chasseur. J'espère que ça vous aura plu. Là je suis quand même un peu plus content. C'est que les animaux qu'on a chassés étaient quand même plus épiques que ceux qu'on... Tu veux jouer, c'est ça? Pardon. Ouais, je disais je suis un peu plus content parce que les animaux qu'on a chassés étaient quand même plus intéressants, plus épiques que lors du précédent épisode. Ouais, c'était sympa. J'espère que les derniers qu'on va faire le seront également. Donc merci encore une fois à tous et à une prochaine fois pour un autre Alex le chasseur. Yeah, 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 yeah. Oula! Reviens!